Qu'est-ce que ça raconte, cette pièce? Ben, c'est un peu l'histoire tordue, je dirais, d'une femme qui veut recommencer sa vie avec un homme, mais qui a un monde caché. Disons qu'elle ne lui a pas présenté sa famille, et pour des bonnes raisons qu'elle ne lui a pas présenté sa famille. Mais pourquoi la famille n'est pas recommandable? Il ne faut pas que j'en parle trop, parce que je vais vendre le punch. Ouais. Mais sauf que... c'est pas recommandable, disons. On pourrait dire ça comme ça. Et lui, quand il rentre dans la famille, là, il est vraiment comme... il sait plus où se mettre, il sait plus quoi faire avec ça. Puis bon, c'est toute cette dynamique-là. C'est très drôle, mais il y a un fond. Il y a un conflit entre les deux sœurs, si j'ai bien compris. Oui, il y a un conflit entre les deux sœurs, un conflit entre la mère et la fille, mais ça se résout à la fin quand même de l'histoire. Il y a une résolution très intéressante. Mais vous savez, c'est une pièce qui est quand même très, légère. Bien sûr, c'est un théâtre d'été, mais qu'un fondement. Il y a vraiment un fondement parce qu'on parle dans cette pièce-là de dépendance affective. On parle de personnes qui ont des problématiques intellectuelles. On parle de personnes qui ont dépendance alcoolique. On parle de... mais tout quand même avec un... un peu d'humour. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, oui. J'ai bien hâte de voir ça. C'est votre deuxième mise en scène au Théâtre Quatre Corps. Oui, c'est ça. Bien, la troisième, en fait. C'est la troisième, en fait. Oui, parce que j'ai fait, il y a deux, trois ans, le boudoir. Ah oui. OK. Et ensuite, l'an dernier, Chalet tout compris. Et là, cette année, cette pièce, ma mère, ma sœur et moi. La pièce commence dans quelques minutes. Avez-vous le trac un peu? Comme metteur en scène, j'imagine que les dés sont jetés. On ne peut pas avoir le trac. Les dés sont jetés. Ah, on va voir. J'espère que le monde va aimer ça. Moi, j'ai mis tout mon cœur là-dedans et j'ai très honnêtement essayé de faire un bon show en essayant que les gens s'amusent et j'espère que j'ai réussi.